Été 1940. Le Blitzkrieg allemand écrase successivement sur son passage les armées de la Pologne, de la Norvège, du Danemark, de la Belgique, de la Hollande et de la France. Ce qui reste de l'armée alliée est contraint à une coûteuse et humiliante retraite sur les plages de Dunkerque. Seule, l'Angleterre échappe encore à la tempête d'acier et de feu déchaînée par les troupes du Troisième Reich. Et alors que l'armée allemande prépare activement l'invasion de l'île, l'état-major allié dresse un premier bilan de sa situation précaire. Ses tactiques, armements et gradés ont fait montre de carences catastrophiques face à un ennemi supérieur dans tous les domaines. L'Angleterre est en retard d'une guerre, et une remise en question à tous les niveaux est impérative. C'est dans ces circonstances qu'un plan des plus audacieux est approuvé. La création d'une unité spéciale d'élite rassemblant des soldats d'exception, des spécialistes du corps à corps capables d'utiliser tous les types d'armements et d'explosifs, des hommes d'initiative pouvant s'adapter à des situations évolutives et extrêmes, les mieux entraînés, les plus braves, en un mot, les meilleurs. Leur objectif, devenir l'avant-garde des troupes alliées, le fer de lance de la contre-offensive qui mènera à la chute du Troisième Reich. Les commandos sont nés.